RMC, l'immanquable grande gueule, Serge Dufoulon. Pascal, j'irai plus loin. Moi, je dirais qu'avec cette double comptabilité, avec l'argent qui est fait des Français, ne l'oubliez pas, l'argent des Français. Alors là, il faut. Oui, c'est d'argent public. Les ça. Partis politiques, l'Assemblée, etc. C'est pas des officines bancaires. Non, bon, ce qui veut dire. Donc ça veut dire quoi? Ça manque ça de transparence. Ça manque moi, de contrôle. Je suggère que les députés n'aient que leur indemnité à l'Assemblée, n'aient plus du tout d'enveloppe parlementaire et qu'il n'y ait plus de réserve parlementaire et sénatoriale. Que enfin, l'État dispose de cet argent qui était de l'argent obscur pratiquement, et ils ont triché à l'UMP, ils le savent tous parce qu'il y avait une double comptabilité. C'est clair. Les têtes de parti ne pouvaient pas ne pas être au courant. Monsieur Morel, pour le Français que je suis, et je pense qu'on est d'autres comme ça, c'est très choquant, mais vraiment très très choquant. Ça, c'est d'un vulgaire. Toutes ces transactions d'argent à l'Élysée, c'est d'un vulgaire, d'un choquant, alors que, pas l'Élysée, pardon, le Parlement, alors que vous devriez vous occuper du bien-être des Français et des lois, de tout ce qui fait le bien du pays, la progression du pays, je veux dire, des services publics, des entreprises, etc. Voir toutes ces transactions d'argent au Parlement, c'est d'un vulgaire et d'un choquant. Je vous garantis qu'un paquet de Français sont écœurés de ce qu'ils voient. Et c'est bien pour ça que j'ai porté plainte. Moi, je suis député de la Lozère, un petit département où il y a des relations humaines tout à fait correctes et normales. Et moi, aujourd'hui, jeune député de ce département, je demande à savoir. Je ne suis pas là pour couvrir des agissements frauduleux. RMC, l'immanquable grande gueule.